Hey yo les djellis, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super bien et aujourd'hui comme vous avez pu le voir dans le titre et la miniature de cette vidéo, je vous parle d'un playmat personnalisé que j'ai reçu qui me vient de chez Sublimat. Je vous mets le lien dans la description mais ne vous inquiétez pas, on en reparle à la fin de la vidéo. Donc ce petit colis, enfin cette petite enveloppe, elle est juste ici, elle est arrivée il y a 20 minutes, j'ai fait la vidéo vraiment juste après avoir que la factrice soit passée tout simplement. Et donc j'ai ouvert le colis mais je n'ai pas encore regardé ce qu'il y avait à l'intérieur, c'est juste pour me simplifier la tâche pendant la vidéo. Donc on va pouvoir découvrir tout ça ensemble, allez c'est parti. Donc, on a le tapis qui est juste ici. Tac. Alors je connais le visuel de ce produit puisque c'est moi qui l'ai fait, c'est moi qui l'ai choisi. Par contre, j'ai demandé à Sublimat de rajouter les zones, donc on va découvrir ensemble comment c'est foutu. Et puis c'est la première fois que je commande chez eux, donc je ne connais pas la qualité en fait de ces produits tout simplement. Oh, il est super beau! Alors oui, j'ai choisi un visuel Dragon Ball parce que j'adore Dragon Ball. Pas plus que Yu-Gi-Oh! Vis-à-vis du jeu de cartes, puisque j'apprécie pas vraiment le jeu de cartes Dragon Ball. Mais sur ce playmat, ça rend vraiment super bien le petit Shenron qui est super joli. D'ailleurs, si vous regardez jusqu'ici, il y a absolument tous les mangas Dragon Ball, puisque j'adore ça, tout simplement. Donc, on voit le petit Shenron, les zones qu'il a rajoutées. Alors, ça fait un peu bizarre de voir les zones Link qui sont en entière sur le. Ouais, ça fait bizarre, d'habitude elles sont à moitié. Mais en même temps, c'est pas trop mal. Je me dis que si je tombe contre un adversaire qui a un playmat classique, eh ben, on n'a pas besoin de Fit Center, puisque au moins j'ai les deux zones. Ça peut être pas trop mal. Peut-être porter à confusion si quelqu'un a le même playmat que moi, ça fait 4 zones Link, enfin bon, moi ça, voilà, c'est pas trop mal, à voir comment ça s'utilise. Les zones sont assez sympas, on voit que les zones sont un petit peu floutées par rapport au reste, ce qui fait que ça gêne pas le dessin en fait, ça c'est pas trop mal. On a les zones pendules qui sont à leur bon emplacement, le deck, le cimetière, on n'a pas de zone pour les cartes bannies, c'est un peu dommage, mais en même temps c'est pas très grave, il reste de la place tout autour. Niveau qualité d'impression, c'est quand même pas trop mal, hein, mine de rien. Franchement c'est assez joli, alors je suis pas expert en playmat, mais moi je trouve que c'est pas trop mal, mine de rien. Vraiment c'est assez net, c'est assez bien foutu. Niveau découpe, ça donne quoi? Alors je me rends pas compte si ça fait propre ou pas, moi ça me gêne pas plus que ça. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Et puis niveau à l'arrière là, c'est une petite zone antidérapante. Si je mets le tapis, faites voir si on fait le test. Alors ça fait bouger ma caméra, mais si j'appuie, le tapis il bouge pas. Donc c'est pas en jouant que ça va faire bouger vos cartes. Alors, petit point tarif, ce tapis c'est un tapis qui vaut 25€ frais de port compris. Sachant que c'est moi qui ai choisi le visuel, c'est moi qui ai fait le visuel et c'est lui qui a rajouté les zones. Vous allez me dire mais 25€ ça fait 3 fois rien par rapport aux autres tapis personnalisés qu'on peut trouver. On peut retrouver des tapis à 30, 35, 40, 45, 50€. 25 finalement c'est pas grand chose. La petite particularité de ce tapis là c'est qu'il est un petit peu plus petit que les tapis classiques. Alors avant de comparer avec un tapis classique, on va juste comparer les zones parce que je ne les ai pas encore testées. Alors, tac. Je pense qu'elles sont à peine plus petites qu'une carte. Mais en même temps, c'est pas bien gênant, franchement. Si on rajoute d'autres cartes, ça donne quoi? Ouais, c'est pas mal. Hein. Franchement, c'est pas mal. Position. Ah, peut-être que la position de défense est un peu. Peut-être que la position de défense est un peu rapprochée. Ouais, faut faire joncher les cartes. Ça peut être un peu gênant, mais en soi ça va, c'est pas trop problématique. Les zones sont pas trop mal, moi j'aime bien le fait qu'elles soient un peu floutées, ça laisse ressortir le dessin tout en quand même conservant les zones qui sont affichées, donc ça c'est pas trop mal. Ce que je vais faire c'est que je vais comparer avec un vrai playmat, un playmat qui est vendu par Yu-Gi-Oh! Par Konami plus directement. Donc c'est le playmat Gergia que j'avais ouvert avec vous il y a quelques temps, je vous mets le lien juste ici là, voilà. C'est un playmat OCG en fait tout simplement et c'est un playmat qui a la bonne taille. Donc comme je vous ai dit, celui-là, je vous l'ai peut-être pas dit, mais celui-là c'est un playmat qui fait 55 par 32, et on va comparer par rapport à un vrai playmat qui eux normalement font tous 61 par 34. Alors on met en place le playmat OCG. On voit tout de suite qu'il est plus grand parce qu'il déborde de la caméra. Et on va mettre en place par-dessus le playmat Sublimat. On va voir ce que ça donne. Voilà, ça fait une petite différence. Donc là j'ai bien collé en fait au bord. On avait bien les deux playmats qui sont là. Et là, j'ai collé. On a les 2 cm. C'est quoi? Ça fait 2 cm. Ça fait 2 cm de 32 à 34. Et on a 6 cm de 55 à 61. Ça fait une belle différence quand même, c'est vrai que même si je le mets au milieu, ça fait pas non plus, enfin bon voilà, c'est un petit peu plus petit mine de rien, mais c'est pas trop gênant comme on a pu le voir, je peux retester hein, si vous voulez, les zones cartes sont pas trop gênantes, même si c'est des sets
c'est pas les bonnes cartes, mais c'est pas trop gênant. On peut facilement invoquer les monstres, le terrain. Et puis moi, j'aime bien. Dites-moi ce que vous en pensez. J'aime bien le fait d'avoir les deux zones Link sur mon playmat. Parce que je sais qu'il y a plein de gens qui jouent sans playmat, qui jouent avec des playmats qui n'ont pas forcément les zones, etc. Ce qui fait que ça... On a forcément un field center intégré au playmat, c'est pas trop mal, et peut-être que ça plaira pas à tout le monde, dites-le moi dans les commentaires. Voilà, assez parlé de ce playmat. La deuxième partie de cette vidéo, c'est que j'ai passé un petit partenariat entre guillemets avec Suplimat. Quand j'ai acheté le playmat, j'ai payé les frais de port pour un second playmat qui vous revient. Voilà, j'ai payé les frais de port, Suplimat offre le playmat, donc vous avez rien à faire si ce n'est recevoir le playmat et participer au concours, évidemment, qui se passera dans les commentaires de la vidéo. On va en parler juste après, promis. Et c'est tout. Donc le visuel, c'est à vous de le choisir puisque c'est un playmat personnalisé. Donc il faut que vous fassiez un visuel en 55 par 32 sur Photofiltre ou Photoshop, comme vous voulez. Si vous n'avez pas d'idée, moi j'en ai plein. Je vous mets plein d'aperçus juste ici. J'ai pas mal travaillé. D'ailleurs, il a fallu que je choisisse pour faire ce playmat là. Donc si vous avez besoin d'idées, n'hésitez pas à me demander. Moi je peux vous aider, je peux vous guider vis-à-vis de ça. Si vous maîtrisez déjà Photofiltre, Photoshop, tous les logiciels de montage, écoutez, vous faites votre petit visuel. Et si vous gagnez, vous aurez que directement à envoyer le visuel en bonne qualité, en format si possible PSD par exemple, qu'on puisse le retoucher si besoin. Et puis après, vous recevrez directement votre petit playmat personnalisé chez vous. Je suis en train de réfléchir s'il y a d'autres choses que je dois vous dire, mais de mémoire, non. Il n'y a pas grand-chose de supplémentaire à vous dire. Si ce n'est que pour participer, il faut tout simplement que vous likez la chaîne, likez cette vidéo, pardon, que vous abonniez à la chaîne et que vous mettiez un petit commentaire en disant que vous participez. Et dites-moi, par exemple, dans les commentaires, quel playmat vous voudriez ou quelle idée de playmat vous voudriez. Pour ceux qui ont déjà une idée du visuel que vous voulez, n'hésitez pas à me l'envoyer sur les réseaux sociaux. Je suis grave curieux de voir ce que vous voulez faire, les idées que vous avez, parce que ça peut peut-être me donner des idées à moi aussi. Voilà, n'hésitez pas à rejoindre la page, je vous en reparle encore une fois, de Suplimat qui est dans la commentaire. Vous lâchez juste un petit like, c'est pas obligatoire pour le concours, mais ça fait quand même super plaisir. Et puis ça permet évidemment d'avoir des idées de ce qu'il fait, etc. Par exemple, toutes bêtes, pour ceux qui likaient leur page, vous pourrez confirmer ce que je dis. Pendant les fêtes, le Playmat à 25€ frais de port compris était en promotion à, attention, 16€. 16€ frais de port compris, vous avez votre playmat. Oui, il est plus petit que les autres. Oui, il n'y a pas grand chose à dire à plus. En fait, juste, il est plus petit, un tout petit peu plus petit que les autres. Mais il était à 16 balles. Imaginez, 16 balles, c'est la moitié des playmats à 35€ qu'on retrouve habituellement. Donc, c'est quand même assez fou. Et voilà, c'est un Français qui fait ça. C'est fabriqué en France. Pour le coup, entre le moment où je lui ai envoyé le visuel, le moment où il m'a envoyé une photo du playmat terminé, je pense qu'il y a eu 24 heures à tout casser. Donc, voilà, c'est vraiment quelque chose de super rapide. Et puis il reste accessible, on peut échanger avec lui. Comme je vous l'ai dit, c'est lui qui a rajouté les zones, donc il maîtrise également ces outils là donc c'est quand même assez sympa. Voilà, donc n'hésitez pas à partager cette vidéo, participer à ce concours, le petit pouce en l'air sur la vidéo, le petit commentaire en me disant que vous participez, et puis pourquoi pas l'idée du playmat que vous voulez. Et puis surtout, vous vous abonnez, on a passé les 600 abonnés, ça fait super plaisir. Alors, regardez, il y a même pas un mois je fêtais les 500 abonnés, donc c'est super cool, franchement ça fait vraiment plaisir. Et puis voilà, je vais faire durer cette vidéo plus longtemps. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, si c'est le cas, encore une fois, je vous invite à participer parce que c'est gratuit et ça me fait plaisir. Les frais de port sont payés, le tapis est offert, donc c'est gratuit pour vous. Si ce n'est, laissez un petit commentaire, ça vous prend 3 minutes. Prenez soin de vous, faites de nombreux duels et collections de cartes. Et surtout, à bientôt. Allez, ciao.